Salut à tous et bienvenue les gamers. On est aujourd'hui sur Grounded pour la mise à jour de septembre. Donc voilà, la mise à jour qui en soi n'est pas c'est beaucoup d'améliorations, mais il y a quelque chose qui est complètement énorme. Oui. Le français est arrivé. Donc voilà, c'est entièrement traduit. Alors ça c'est voilà, ça c'est c'est quand même assez cool. Il y en a de nombreuses araignées qui seront souvent bien plus grosses que toi. Ok, cela terrifie le plus haut point. Oui, c'est ça, on peut modifier l'apparence. Donc voilà, tout est en français. Solo, multijoueur. Alors, on va faire continuer. On va voir ça un petit peu, tranquillement. Wow. C'est vrai. Il y a les petites araignées. Les petites fourmis. Eh, mais elles ont pris les. Les œufs à la bouche. Elles ont pris les œufs à la bouche. Ok, elles veulent se barrer. Bon, ok. Bon, bref. Donc voilà. Bah c'est parfait. Ok, bon bah elles ont pas l'air d'être agressives. Je sais pas pourquoi. Et ça change de couleur quand ils l'ont à la bouche. Bon. Donc on va voir. Allez, alors là, ouais, là tout est traduit. Donc là déjà, pour beaucoup, ça va être beaucoup plus simple. Oh ouais. Donc ça c'est les mutations, hein, les fameuses mutations. Et tout fabriquer, donc cuir, caoutchouc. On est bien d'accord. Donc là, la map, ok. On va aller voir tout au fond ce qu'il y a de nouveau. Donc là, il n'y a rien. Alors, dans le patch note, il est annoncé. Il parle d'une tyrolienne que je n'ai pas l'air d'avoir. On va aller voir après au niveau du petit robot là. On va aller voir un petit peu avec lui. On sait jamais. Peut-être quelque chose à acheter. On y est. Donc, on a un rouet. On va en fabriquer un, hein, tout à l'heure. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va fabriquer ça. Ok. Bannier. Donc tout ça, on est bon. Bombe à fil piège. Alors ça, il y était déjà. Ouais, bizarre. Je comprends pas. Il y a une mise à jour là-dessus, mais bon, ok. Voyons pour la suite. Le mannequin, on était bon. La table. FR 198. Ça, c'est pareil. On va en fabriquer. On va voir un petit peu ce que ça donne. On verra. Voilà. Bah écoutez, on va aller vite fait voir le petit robot. Et puis, on va fabriquer ça au calme. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sur la route pour y aller, je vais vous balancer des photos, hein, du patch note, tranquillou. Si ça, pour ceux que ça intéresse, parce que le patch note est très très long, hein, amélioration sur plein de trucs. Voilà. Donc allez, on est parti. On est parti. Oui, donc il y a aussi des les attaques des ennemis, la résistance du joueur a été modifiée, tout a été rééquilibré selon eux, hein. Évidemment. Après voilà, c'est beaucoup de petits bugs qui ont été effacés. Alors certains n'auront pas eu de bugs, hein, parce que c'est pas à tout le monde en fait. Enfin bref, voilà. Allez, on y va. On va voir le petit robot, on va voir ce que ça donne. En tout cas, que tout soit en français, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Donc là, je cherche une petite goutte d'eau. Parce que même l'eau, c'est assez précis. C'est ce qu'on boit. Ce qui est quand même pas mal. Allez, cours, petite fourmi. Ah, évidemment, il y a quelqu'un qui me suit.
Après, avec la team, on va essayer d'explorer un petit peu la carte, voir un petit peu les boires du Punch-Out. Ok. Voir un petit peu les évolutions et voir si on a accès à des aux bâtiments, voir si la partie qui était fermée est accessible. On va aller faire une petite promenade là-bas. Boire de la rosée. Ok. Donc voilà. Parce que c'est vrai que quand on mettait de l'eau dans la réserve d'eau, on pouvait pas mélanger le type d'eau. Donc voilà, voilà. C'est un petit peu plus clair. C'est un petit peu plus clair. Voilà, on n'est pas très très loin. On est presque arrivé. Allez, allez, allez. Parce que là, il y a des bâtiments là-bas. Oui, allez, on s'en fout. Bon, allez, on va passer par là. Clac, clac, on y est. C'est le principal. Oh, yeah. C'est pas le fait. C'est pas le fait. Voilà. Ouais, ok, on est bon. Pièce data link, ok. Donc on peut rien faire là, ok. Je la reconnais pas cette pièce-là. Donc le voilà. Il a pas changé de place. Ah, ça aussi c'est traduit, c'est parfait. Donc là on va pouvoir lui donner. Plus grand, les insectes du jardin semblent agités dernièrement. Ok. Ah, ce rire. Je suis flatté. Je suis le dernier burger. Disparition, j'ai continué ses recherches. D'accord, ok, je suis. Attribuer des tâches à accomplir. Pour augmenter les risques de maladies d'origine alimentaire. En particulier si vous souffrez d'une pathologie. À point. Ok. Rosé à la limite. À point, rosé et bien cuit. Une question. Ah, je crois qu'on a fait le tour. La puce de la fourmilière. Ok. Voyons maintenant s'il a d'autres plans à vendre. Donc ça doit être les. Ouais, ça c'est les quêtes. Ça c'est les quêtes à faire. Alors déjà on comprend mieux les quêtes à faire. Voilà. Ouh, 7000, 1500, 2000 boucliers humains. Donc oui, il y a eu du truc rajouté. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Oh, ça se peut, c'est ça. FR61 Tech Free. Peut-être voir. Cache-œil amélioré, économie de bandage, gourde améliorée. Oui. Bon, ça, c'est pas de quelque chose de nouveau, c'est de l'amélioration. Respiration vigoureuse. Ouh, ça, c'est peut-être pour l'endurance, non? C'est ça. C'est pour l'endurance, voilà. C'est ok. Une collecte de structures essentielles à la création d'un fort.
comprend des plans d'échafaudage et d'escalier. On les a déjà eus, ça. Il va falloir que je vois ça. Il va falloir voir ça. Parce que oui, quand la team va me rejoindre, j'aurai beaucoup plus d'argent. Ouais, que ça a changé. Mutation détectée, respiration vigoureuse. Ouais, très amélioré quand même. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des nouveaux plans et on a fait le tour des nouvelles choses là à acheter. Ok. On a fait le tour avec lui. Donc voilà, donc nouvelle quête. Enfin, nouvelle quête, c'est un petit peu ce qu'on avait avant. Mais aussi, on a surtout des nouvelles choses à acheter, des nouveaux plans, des nouveaux schémas, des nouveaux engrammes. Ça dépend comment vous voyez les choses. Ok, Dak. Ok. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour vulgairement. On va passer à la fabrication de tout ça là. Je vais choper toutes les ressources et on va se retrouver après. Et on va construire les deux petits trucs là. Le rouet et l'espèce de cadre. Voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis par la suite. Je verrai un petit peu parce que une tyrolienne, il parlerait d'une tyrolienne que je ne vois pas, à moins que ce soit l'un des plans là, qui était à 2000. Ça va être à tester. Ça va être à tester. Et ben voilà, je vais faire le retour. Je vais couper, je vais faire le retour, je me prépare et on se retrouve tout à l'heure. Pouh, ça a été rapide, hein. Oh oui, ça a été rapide. Ah, le cut. Allez, c'est parti. Alors, on va monter le truc, là. Alors, on va le foutre, pas devant la fenêtre. Là, ouais, alors, il y a le coffre. Ok, ça prend pas de place, il y a les poignées là, ouais, de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance. On va foutre ça là. Voilà. Non. X. Perfect. C'est bon. Allez, on balance tout. Et non. Évidemment. Évidemment. Bon, cette fois on est bon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Oui, oui. Donc on peut mettre un d'accord. Ok. Bon, on va laisser bosser. Hein. On va laisser bosser, on va aller voir le cadre. Alors le cadre. Allez, il est là. Allez, c'est parti. On va voir ça ensemble. On va voir un petit peu les... Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Voilà, c'est bon, là, j'ai tout. Ah, ok. Je vois le genre. Imaginons, je mets ça, ça fait quoi ? Ok. Bon. Ah bah, on va les essayer. Ok, miniature. Et les flèches, imaginons. D'accord, ok, bon bah les couleurs, je pense que voilà, couleur unie, rien de spécial. Bon, ouais, à voir par la suite, hein. À voir par la suite. Mais voilà, ça intègre des petits trucs petit à petit. Donc voilà, là on a fini, il y en a un de fini, et on peut pas le récupérer. On ne peut pas le récupérer, pourquoi ? Pourquoi pourquoi on ne peut pas
prendre, on ne peut pas. Ah, attendez. Ah, il se récupère en bas là. Une fois que c'est fini. De la fibre tissée. De la fibre tissée. Ouais, mais c'est la même chose que... D'accord. Ok. Bon. Ok, bon bah ça permet en fait de... Mais ça on peut le faire sans bécane en fait. Ouais, je comprends pas. Bon après le jeu est pas fini, il y aura des modifications, etc. Peut-être que plus tard on ne pourra plus le faire nous-mêmes. Il va falloir les bécanes pour faire les choses, je sais pas. Je sais pas, c'est assez flux, c'est assez flux. Eh ben écoutez, on a vu un petit peu la mise à jour de septembre, hein, voilà. Hein, je... Après à voir. À voir avec la team, hein, on va dépenser beaucoup, beaucoup pour avoir un petit peu le... voir les plans. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Parce que là, vite fait au robot comme ça, par rapport à ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'améliorations. On verra par la suite. On verra par la suite. Donc voilà, petit jeu de survie qui évolue de mois en mois. Donc, et bah écoutez, c'est super. Eh ben on va s'arrêter là. Hein. D'ailleurs, il y a un autre petit jeu qui est, je suis en train de voir, c'est Drake Hollow. Le petit Drake Hollow qui est un petit peu le même style vulgairement. Parce qu'il y a des petits trucs qui changent, mais bon. Bon, écoutez, je vous dis ciao ciao. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et allez, bye bye.